Salut gang, j'ai fait un post dernièrement, puis j'ai demandé à des amis qui me suivent des sujets de chronique. Parce que j'ai pas le sujet plein la tête, mais des fois, il y a des affaires qui vous intéressent un peu plus. Fait que Jeff Pilon m'a demandé de vous parler de nos caches qu'on s'est faites. Je vous reviens. Bon, ben, mon ami Jeff Pilon, celle-là est spécialement pour toi. Tu m'avais demandé de t'expliquer un peu, ben, de vous expliquer un peu comment est-ce qu'on a fait nos caches à l'Orignal. Ben, c'est simple, j'ai des amis qui travaillent dans des shops, puis ils ont eu des rakings comme ça, des rakings qui ont été bossés, mais qui sont encore très sécuritaires. Mais pour les compagnies, la CSST, c'est plus sécuritaire, fait que les autres s'en débarrassent. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces rakings-là, on a mis des travers. Et puis, c'est un peu comme ça qu'on a fait nos caches, juste bien solidifiés. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on les attachait avec des câbles sur des arbres, juste pour être sûr que ça ne balotte pas trop, parce qu'on ne peut pas vraiment les écarter comme les vraies caches qu'on fait en pilotis de bois. Les autres sont plus droites, mais c'est quand même très potable. Une hauteur d'à peu près 12-14 pieds, parce qu'on chasse dans des bûchers qui ont à peu près 2 ans et demi, 3 ans, mais qui vont devenir un peu plus grands. Et puis, va falloir entretenir nos bûchers par contre. Et puis, c'est ça, fait que c'était pas plus compliqué que ça. Puis, en même temps, bien, dans les compagnies, quand ils font des tablettes, il y a des travers en dessous du plancher. Peut-être vous verrez pas bien à cause du soleil, mais il y a des travers que les autres se servent pour mettre leur palette dessus. Fait qu'on a pris ces travers-là, puis on a fait notre plancher avec ça. Donc, c'est ça, les amis, pour les caches. Et puis, je vais revenir prochainement avec une autre chronique. Probablement, qu'on va faire une chronique un peu comme comment aborder les orignaux là, dans le temps du rut, comment est-ce que je fonctionne. Et puis, c'est pas compliqué. J'ai suivi des exemples de Michel Therrien, Stéphane Monette m'en a montré pas mal aussi. Je vais vous faire une petite chronique là-dessus prochainement. À bientôt!